Si la peur des araignées tu veux dépasser, Fort Boyard, tu dois regarder avec Frosties de Kellogg's. Jean-Pierre, Jean-Pierre, l'énigme est prête. Voilà, j'arrive. Bon, ben, allez, regardez. Voilà, sans jamais toucher les gobelets, ni quoi que ce soit d'ailleurs, vous devez me dire avec certitude lequel de ces gobelets contient la clé. Je vois rien. Moi, il y a comme une odeur de calamar ici, vous ne sentez rien? Ah non, c'est moi qui me suis un petit peu parfumé parce que aujourd'hui nous recevons les filles du Crazy Horse. 5 danseuses magnifiques, des danseuses de cabaret, vous vous rendez compte? À Fort Boyard, le rêve. Et leur coach, un comédien formidable, le petit Jocelyn Quivin, Rastignac. Crazy, crazy, fort! Avec une équipe de drôles de dames comme ça, parfois, vous n'avez qu'à bien vous tenir. Oh là 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 là! Ça cocotte dur, hein. vous avez dû forcer la dose. Quand on aime, on ne compte pas. Et puis, parfois, j'ai pensé aux fleurs. Ah, très bonne idée, les fleurs, très bonne idée. Ah oui? Bon, allez, les chercher. Maintenant, et puis, vous laissez la porte ouverte, hein. D'accord, c'est très bien. Bon, Poussy, alors, c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles? Alors, moi, je peux nager, je suis à l'aise dans l'eau. Ouais, d'accord. Par contre, le vide... Tout ce qui est vertige et tout, tu... Ah non, c'est pas la peine, hein. Tu m'y mets, moi, j'y vais pas. C'est hors de question. Bon, bah, je vais y aller, alors. Bon, Psycho, et toi, alors? J'ai une assez bonne mémoire visuelle, donc c'est pas un mal, petit ça. Conseil pour le conseil. Ah, c'est pas mal, ça. On va t'envoyer au conseil, pas mal. Ah ouais? De quoi t'as peur? J'aime pas trop l'eau, si tu veux. Donc, ah ouais? Ah, ici, t'es mal barré, ouais. Je suis assez mal barré, en fait. Bon, bah, je vais plonger, alors. C'est vrai? Bah ouais, je vais plonger. Aux belles du Crazy, je m'appelle Jean-Pierre et je vous offre ces fleurs des mers. Jean-Pierre, vous n'allez tout de même pas offrir des algues à nos belles candidates? Ce sont des fleurs des mers. Écoutez, j'ai fait 2 fois le tour de Fort Boyard, je n'ai trouvé aucune marguerite, moi. Petit Jean-Pierre, je ne suis pas sûr que vous mettiez tous les atouts de votre côté avec ces fleurs. Question à tout. J'ai pensé à tout. Le petit, le 21 est l'excuse. Avec un peu de chance, je peux emmener le petit au bout. Et la danse, Jean-Pierre, la danse, vous avez pensé à la danse pour séduire une danseuse? Oh là là, la musique. La musique. Et moi, je vais jeter ces fleurs de mer... À la mer. C'est quoi tes points forts, tes points faibles, toi? Mon point fort, c'est les araignées. Il y a beaucoup de filles qui n'aiment pas, et moi, quand j'étais petite, je collectais tous les insectes et tout, ça me n'arrange pas. Ça te fait pas peur? Par contre, m'enfermer pas dans une boîte noire, petite, où je peux pas m'en sortir quand je veux. D'accord, un peu claustro. Un peu, ouais. Bon, bah, je vais y aller, alors. Stella. Toi, tu es le porte-bonheur. Je suis ta petite patte de lapin. Bien sûr. Bon, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que t'aimes pas? J'adore les sensations fortes, mais les araignées pas trop. Les araignées c'est pas ton truc? Non, pas du tout. Je vais y aller alors. Je crois que c'est mieux. D'accord. Nini. Toi t'as peur de rien? J'ai peur de rien et je suis très attirée par tout ce qui fait peur. Ouais. Donc genre sensations extrêmes, moi je suis partante. Okay. Et en parlant de sensations extrêmes, j'avoue que le perfoura, une petite rencontre, ça serait pas mal. Enfin, Jean-Pierre, vous êtes raide comme un piquet. Laissez-vous entraîner par la musique. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Elle avait fermé les yeux. Imaginez que je suis une danseuse de revue, pulpeuse et terriblement sexy. Jean-Pierre, enfin, mais reprenez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Mais je suis une danseuse, pulpeuse et sensuelle. Jean-Pierre, mais enfin, mais vous perdez vos esprits là. Bon, revenons à mon énigme. Ça nous changera les idées. Enfin, là, je peux plus réfléchir. Là. En plus, je les entends, elles arrivent. Faut que j'y aille, là. Oh là là. Oh là là. Et à nous, les filles du Crazy. Les femmes. Ça restera toujours une grande énigme pour moi. Tu m'ouvres? Pas grave, ce soir il y a des
Très jolie femme. Forme. Attention! Vous qui aimez jouer avec vos téléphones portables, l'équipe de ce soir va-t-elle subir plus de 4 échecs pour obtenir les 7 clés? Réponse au numéro de téléphone qui s'affiche, le 20-500 en bas de votre écran. Vous gagnerez des cadeaux Fort Boyard que je me ferai un plaisir de vous offrir. Oh. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Sandrine, vous allez bien? Oui, très bien. Bonsoir Jocelyn. Monsieur Castaldi. Bonsoir Jocelyn. Mesdemoiselles, ravi de vous accueillir. Sandrine, vous avez quelques petites notes? Vous savez que j'aime bien ça, hein? Oui, vous avez titillé les secrets de ces, de cette équipe essentiellement féminine. Jocelyn, j'ai noté... Je peux t'appeler Jocelyn Powers? Ça me plaît énormément. Jocelyn Powers et ces drôles de dames vont tout faire pour allier efficacité, sensualité et féminité. Oh. Mais attention, n'oubliez pas, je suis là pour taquiner le garçon s'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Alors les filles, je vous ai pas dans le nez, mais je vous ai à l'œil. Et si vous voulez qu'après Las Vegas, le crazy s'installe dans le fort, soyez brillante, étincelante. Oui. Que le cheval soit fou, mais pas mou. Excellent. Mais vous versez dans la poésie maintenant. J'essaye d'être à votre hauteur. C'est gentil, Sandrine. Mais écoutez, mesdemoiselles, vous êtes charmantes. Le fort, lui, va se défendre. Il va falloir une bonne équipe, bien soudée, bien motivée. C'est une équipe en or. En or ? Comment tu te sens, toi ? Moi, je suis en forme. Ça va être dur de vous voyer pendant une heure et demie. Mais... Oui, mais nous sommes obligés parce que je redeviens le maître du fort. C'est normal. Donc, je vous dis vous. Moi aussi. Voilà. Attention, vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti pour 85 minutes. La boule. Le gong. Voilà. Maintenant, il ne faut plus perdre de temps. Alors, pour cette première cellule, il va me falloir un candidat, une candidate... qui a du rythme dans les jambes, un bassin aussi souple que celui d'Elvis Presley, enfin, capable de conduire un train sans se faire un tour de rein. Très bien. Je crois que c'est normal pour ouvrir la marche, comme il n'y a que des filles, que ça soit moi qui le fasse. Et en plus, tu as cité Elvis Presley, donc je suis obligé de rentrer. Ah, parce que vous vous sentez un mouvement d'Elvis Presley. Je sais pas, ça me plaît bien. En place, attention. Tu es prêt? N'oublie pas, Fenzi te regarde. Allez, Jocelyn. Allez. Alors Jocelyn se transforme d'acteur en aiguilleur. Tout ça, c'est toujours dans des rimes... Ah oui, d'accord. Vous connaissez? Oui, oui, j'ai déjà vu. Qui a déjà vu? Moi. Alors vas-y, explique. Pour un certain équilibre, sur la planche de surf... Ils sont tombés, là? Ouais, elle tombe. Allez, Jocelyn! Et qu'est-ce que fait la planche? Elle s'ouvre et donc la boule tombe. En fait, la planche, elle permet d'aiguiller. Oui. Vous avez confiance en votre coach, les filles. Bah là, moyen, hein. Allez, Jocelyn, c'est bon cette fois-ci. C'est bon, c'est bon, c'est bon, allez. Oui. Ouais. Oui, allez, 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 oui. Allez. Allez, allez, oui, 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 oui. Vas-y, oh, elle est bloquée. Attention au temps. Non, c'est encore. Allez. Ouais. Oui. Il y a combien de temps là? C'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. C'est pas évident. Si elle fait bouger la boule, ça ne marche pas du tout. Allez, vas-y, c'est bon, j'y arrive une fois. Tu peux t'approcher de la porte. Oui, oui, et l'autre partie. Allez, oui. Allez. Oui. Vas-y, calme-toi, c'est bon. Bravo. Jocelyn, t'as commencé dans le club des 5. Tout est vrai. Aujourd'hui, t'es dans le club des 5 filles crazy. Quel effet ça te fait? C'est une bonne évolution, ça me va bien. Est-ce que t'as eu la pression là avec toutes les filles qui criaient derrière toi? Énorme. Au début, je vous entendais pas trop. Je me suis dit, elles sont parties, je vais être seule. C'est tout pour nous. Deuxième clé, passe-partout. Première clé. Merci. On suit passe-partout, s'il vous plaît. Hop, c'est devant. Content? Alors,
votre coach. Jocelyn. Sandrine. Il y a une belle photo là. Jocelyn. Viens, connais-moi, Jocelyn. Viens là. Dis-moi. Dites-moi alors. J'ai eu très peur à la troisième ou quatrième boule. Et finalement, ça s'est bien passé. Bon, on perd pas de temps, Jocelyn. Allez, on y va. Pour cette cellule, il faudrait que tu trouves une jeune fille qui n'ait pas peur d'être dans une situation compromettante. Il va quand même falloir chevaucher un cylindre. Il faudrait qu'elle enjambe une roue pour la clé. Je crois que j'ai pensé à Psycho dans cette... Psycho. En place, Psycho. Qui regarde le temps? N'oubliez pas, le Crazy Horse vous regarde. Allez, Psycho. Allez, Psycho. Alors, regarde bien où est la clé. Tu vois où elle est? Il faut que tu montes, voilà, d'un côté du rouleau. Et le plus simple, il faut que tu te mettes bien allongé. Plus t'es allongé par rapport au cylindre, plus c'est facile. T'inquiète pas, moi quand j'ai essayé tout à l'heure aussi, je suis tombé. Hein. Non mais toi c'est normal. Mets-toi bien. Qu'est-ce que je fais? Pas la tête. Arrête tout de suite. Tranquille. Mets-toi bien à plat. Bien à plat, le plus à plat possible. Oui. C'est dur. C'est pas là. Keep cool, t'as du temps. T'as largement le temps là. Hein. T'as du temps, vas-y doucement. Vas-y. Voilà, doucement. Bien à plat, bien à plat, bien à plat. Allez, allez, attends, allez, vas-y. Installe-toi bien, prends ton temps pour t'installer. Voilà. Doucement, ouais. Vas-y, bien. Doucement. Ouais, bien. Allez, gère, t'as le temps. Oui. Ouais. Vas-y, doucement. Allez, rééquilibre-toi, Il te reste du temps, c'est bon, hein. T'inquiète pas, Psycho, t'as encore du temps. Tu l'entends? Ouais, ouais, je l'entends, non, pas du tout. Encore un peu. Allez, Psycho! Allez, c'est bon! C'est hyper dur. Allez, vas-y, allez, essaye. Psycho! Psycho, oui. Essaye de te stabiliser quand tu t'appuies sur le premier cylindre. Essaye de te stabiliser avec le deuxième en t'allongeant bien. C'est un peu technique. Hein. T'as le temps encore, mais... Voilà, tu tiens avec tes mains le deuxième, tu t'allonges sur le premier et tu passes sur le deuxième directement. Allez, doucement, c'est bon, t'as du temps, c'est bon. Pas mal. Pas mal. Oui. Vas-y, cool. Doucement. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Essaye de rester bien droite comme ça, hyper bien. Ouais. Quand tu sens que ça bouge, arrête-toi. Arrête. Laisse pas tomber tes jambes. Oui. Oh, t'es vachement belle. Hyper bien. Vas-y, t'as le temps. Là, ça va. Viens, viens, viens. Douce. J'ai presque. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. Ok, ouais, laisse tomber, sors. Sors. Pas le temps de sortir. Bon. C'est hyper dur. C'est pas grave, c'est hyper dur. Vous suivez Passepartout, j'ai une question pour Psycho. Allez-y, suivez Passepartout. Psycho, j'ai une question, une seule. Tu peux y répondre, tu crois? T'as dit ça? Oui. Pourquoi Psycho? Ben pourquoi pas Psycho? Ben voilà, c'est tout pour nous. Monsieur Jocelyn, oh. Alors, Sandrine, oui, vos premières impressions, ces deux premières cellules? Psycho qui reste un petit peu sur une idée d'avoir pas bien réussi, donc il faut absolument continuer. Alors, si je peux en placer une, j'ai essayé tout à l'heure, j'ai même pas été au deuxième rouleau, c'est super dur. Mais c'est on s'en fiche. Je vous rappelle que devant vous, cette grande aiguille noire, quand elle aura fait le tour de ce grand cadran et qu'elle arrivera dans le rouge, il va falloir que vous ayez 7 clés. Sans ça, je serais obligé d'envoyer une de vos coéquipières, ce serait dommage. Aux oubliettes, ça veut dire qu'elle disparaîtra jusqu'à la fin de la soirée. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'émission. Ça serait dommage quand même de nous priver de leur présence. Oh, oh ma lumineuse, oh ma charmante princesse, toi qui as la grâce d'une danseuse, et grâce à toi, je vois la vie en rose. Lumineuse. Rose. Vous savez que... Non, je suis très... Excusez-moi. Non, je vous en prie. Arrêtez. Non, je vous rappelle qu'elle me ferme sa porte depuis quelques semaines, qu'elle refuse que je voie la couleur du jour. Ah, couleur du jour. Vous savez ce que c'est que la couleur du jour? Eh bien, la couleur du jour vous permet de doubler les gains en fin de soirée. La couleur du jour, c'est le mélange de deux couleurs primaires, par exemple le bleu et le rouge, qui donnent une couleur. Et cette couleur du jour, si vous la trouvez, vous doublez vos gains. Dans la première partie de la soirée, vous pourrez jouer pour une couleur
et dans la deuxième partie de la soirée pour la deuxième couleur. Vous avez bien compris? Très bien. Sandrine? Vous pouvez dire non quand vous n'avez pas compris. Hein. Est-ce que vous avez compris, vous, Sandrine? Oui, mais moi, je vous comprends, Jean-Pierre. Ah oui, vous êtes comme une heureuse, vous, hein? Oui, oui. Ah, mais bon. Moi, je ferme la porte. Bon, deuxième grand moment. Il va falloir que tu envoies une de tes partenaires, ou toi, je ne sais pas, rencontrer le père Fourard. Alors, il y en a... Je savais qu'il rêvait de rencontrer une des filles du Crazy, bien entendu. Voilà. Tu choisis quand vous choisissez quand même. Alors, c'est pour l'épreuve visuelle, c'est ça? Oui. Nini est très forte pour les épreuves visuelles. Nini! Et elle meurt d'envie de rencontrer le père Fourard. Alors, Nini, vous allez suivre passe-temps. Là, il va vous faire rejoindre le père Fourard. Okay. Et pendant que vous rejoignez le père Fourard, Jocelyn va nous parler de la raison, quand même, profonde de votre présence ici à Fort Boyard. Vous travaillez pour une... Enfin, vous travaillez. Vous concourez pour une œuvre. Pour une association qui s'appelle L'Enfant Bleu. Oui. C'est une association qui aide ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, les enfants, les petits. Et le bleu, ils le disent eux-mêmes, ça évoque les bleus à l'âme, les bleus au corps, mais surtout, c'est le bleu de l'espoir. Parce que c'est pour aider ces enfants qui sont victimes de violences familiales ou extra-familiales. Violences physiques, corporelles. Violences physiques, corporelles. Maltraitance. Sexuelle aussi, malheureusement. Maltraitance en général. Et il faut savoir que plus de 99% d'entre eux ont moins de 6 ans. C'est vraiment des tout-petits. Donc on trouvait ça normal qu'ils soient aidés par des plus grands. C'est tout à fait honorable. Bon, pas de commentaires sur ces choses terribles. Je ne note pas. Je note simplement que Jocelyn concourt pour une belle association. Oui. C'est important. C'est bien, ben regardons ce qui se passe là-haut avec le père Fourras. Vous souhaitiez me rencontrer? Oui. Et éprouver des sensations extrêmes? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben, je sais pas, j'attends de vous un moment mémorable. Oui, ben, écoutez, j'avoue que c'est votre présence qui réveille l'extrême sensation, n'est-ce pas, Pasteur? Bon, allez, on se calme. Voici l'énigme visuelle. Sans toucher au gobelet ni à quoi que ce soit, vous devez me dire avec certitude lequel de ces gobelets contient la clé. Ce n'est pas de la chance, ouais. C'est une astuce. Hein. Allez, sans toucher à rien, vous devez me dire dans lequel de ces gobelets se trouve la clé et vous l'aurez. Alors. Et il y a un truc. Sans toucher à rien. À rien, non, à rien. Vous regardez tout ce que vous voulez, mais... Ah, mais si. Et alors, soufflez encore. Fort. Mais c'est merveilleux. J'avais le droit de faire ça. Eh ben écoutez, je vous donne la clé. Mais oui, c'était ça. Eh ben voilà. Pardon. Vous repartez avec la clé. Vous avez gagné. Merci. Mais bravo. Merci beaucoup. Vous partez avec la clé et tout ce que vous avez déjà naturellement. Et eh ben écoutez, moi pour moi aussi ça va l'être. Hein. Crazy. Il y a vraiment de quoi devenir ma boule, tiens. Quelle équipe de choc! Les énigmes visuelles, ça vous plaît, n'est-ce pas? Eh bien, ça tombe bien, parce que moi aussi. Alors, si vous en avez à me proposer, envoyez-les-moi sur le site internet Fort Boyard de France 2. J'attends avec impatience. Jocelyn, alors? Gagné. Sandrine? Regardez, demandez à Passepartout, il se fait ça tellement bien. Ah, bravo, mademoiselle. Bon. Bravo, pour cette cellule, il faudrait une jeune fille en forme, mais qui n'ait pas peur de dévoiler ses formes. De toute façon, elles seront dévoilées quand la boue qui est à l'intérieur, il y aura... C'est elle qui a réussi, bravo. Alors, qui tu vois pour cette petite cellule? Eh bien, voilà, Nini, c'est l'esprit, mais c'est aussi la force. Elle m'a battu au bras de fer, j'ai déjà dit. Donc c'est Nini. Ah, parce qu'elle vous a battu au bras de fer. Oui, non, c'est atroce. Vous avez noté ça, Sandrine, qu'elle l'a battu au bras de fer. Rastignac, le jeune Rastignac. Non, c'est Rustignac. Attention, que le meilleur gagne. Allez, Nini. Alors, Nini, écoute-moi bien.
Nini, écoute. Nini, écoute-moi bien. Le truc, il faut que tu fasses, il faut que tu la prennes par les genoux pour essayer de la faire tomber. Par les genoux, derrière les genoux. Au milieu des cuisses, tu lui plies les jambes et t'essayes de la faire tomber dans la boue. Bravo. Bravo. Incroyable. Magnifique, je ne sers à rien. Oh là 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 là. Bravo. Attendez, laissez-la doucement, 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 doucement. Attention, parce qu'elle va vous en mettre partout. Bravo. Allez-y, avancez, suivez Passepartout, je reste avec Nini 2 minutes. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, Nini, dis-moi, attends, t'approches pas trop. Non, si tu pouvais éviter de te laver, tu t'étais déjà battue avec une femme? Non. Ton surnom, c'est Nini? Nini Bras de Fer. Est-ce que maintenant, ça peut être Boubou Bras de Fer? Non, c'est Nini Capital, maintenant. Maintenant, c'est Boubou Capital. Boubou Capital. Je te laisse prendre une douche, tu nous retrouves? Ouais, okay. C'est tout pour moi. Mon petit passe-temps, vous n'avez qu'à passer par là. Je ne suis pas d'accord pour mettre un ascenseur pour aller à la vigie. Et alors, si vous passez par là, je vous verrai que... La fois, à midi, on a mangé des escargots farcis et je ne suis pas sûr de la laine. J'aimerais bien, vous n'avez tout de même pas vous tricoté un pull par cette chaleur. Non, je parle de la laine. Oh là, oh là là là. Prenez-en 2 minimum. Oh. 2 pastilles. Non, 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 2 paquets et bonne chance. Hein. Oh. 2 paquets. Ah bah, oh. Merci, hein. Vous avez de la chance, vous, ça vous passe au-dessus de la tête. Jocelyn, c'est mes petites pastilles. Tiens, alors, pour cette cellule, rien de tel qu'une petite clé pour ouvrir l'appétit. Tu... Je vois ce que tu veux dire. Voilà, il faudrait une femme qui adore croquer l'aventure à pleines dents. Écoute, j'ai immédiatement pensé à Stella. C'est oui. Pas vraiment un cadeau, mais tu ne m'en veux pas, surtout. Stella, approchez-vous de moi. Approchez-vous. Vous avez peur de rien? Stella, vous allez passer votre tête dans ce petit trou. Attendez, attendez. Vous allez mettre vos petites mains là. D'abord, comme ça, pas plus. Passez la tête encore, encore, stop. Voilà, ok. Attention, non, non, non. Attends, attends. Attention. Stella, respirez, Stella. Oh, voilà. Voilà, tout va bien. Ça va? Voilà. Bon, alors voilà. T'as une petite bille en argent. Il faut que tu la prennes dans ta bouche. Mais je la vois pas, la petite bille. Elle est juste devant toi. T'as une petite bille je en argent. Je crois que j'étais très dur. Il faut, que tu avales la ficelle qui va faire remonter la clé. Voilà. Quand la clé est tout en haut, elle va tomber dans une boîte et on t'ouvre. Et tu es libéré. Voilà. Ouais. Et c'est bon, t'as le temps. Vas-y, prends ton temps. Tu peux y aller? Ouais. Voilà. Ok. Vas-y. Allez, vas-y. Respire bien. Vas-y. Tu vas bien? Je note c'est que bon, les filles, pour l'encourager, disent « Stella mange ». C'est bon. T'as encore du temps, vas-y. Je me surveille. Stella mange. Stella. Allez. Allez. Ça restera ça. Hein. Allez, Stella, c'est bien. C'est bientôt fini. C'est bien. À prendre des livres. je me ferai pardonner pour ça, hein, Stella, c'est promis. Oh. Comment? Vas-y. Allez, vas-y, vite. Ouais, vas-y. Accélère un peu quand même. Ouais. Un petit peu plus vite. Allez. En respirant bien, mais accélère. Allez, Stella, c'est bientôt. Allez, c'est presque fini là. Allez. C'est presque écœurant en fait. Hein. Oui, quand même. C'est pas facile. Allez, Stella, tu viens. C'est pas facile. Vas-y, dépêche-toi. Vas-y. Attention. Allez. La laisse pas prisonnière, peut-être si tu veux. Accélère. C'est la clé. Accélère. Sors. C'est la sortie. C'est bon. Vas-y. Sors. C'est bien. Je vous demande juste de gagner la suite des épreuves avec Passepartout. Ça va? J'ai deux questions à poser à Stella. File. Stella, je voudrais ton impression sur le coach qui t'a envoyé dans cette épreuve alors que tu détestes les migales. Ah, je ne peux pas supporter les migales, les araignées. Mais ton impression sur le coach, tu vois, qu'est-ce que t'en penses de ton coach là? Ah oui, il est énorme. Ça va.
Non, tu gardes le même coach. Oui, oui, t'as droit à 1 ou 2 kilos quand tu fais ce métier. T'as pris combien de kilos là? T'en as là, perdu? J'en ai perdu, je suis en dessous. Non, moi, je suis en dessous, mon poids. Allez, viens, c'est tout pour nous. Manu, non, 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 je ne veux pas discuter. Je vous assure que ce jeu marche. Mais oui, voir, mais... voir. Ah, oui, oui. Je me disais que ça ferait bien séducteur si je pouvais laisser un numéro de portable aux filles. Mais j'ai pas de portable. Je peux vous prêter le mien si vous voulez. Un portable, vous? Oh, Jean-Pierre. Des fois, je me demande si vous ne me prenez pas pour un vieux schnock. Non. Tenez, regardez. Voilà, vous avez une poignée, vous avez même un petit crochet pour le mettre à la ceinture. C'est très pratique pour téléphoner en marchant. Vous allez voir. Oui, alors avec ça, je crois que je vais avoir l'air d'un brocanteur et pas d'un séducteur. Enfin, il marche bien ce portable. Allô? Ça, je crois que nous avons été un petit peu durs quand même, non? Pression énorme. Pression énorme, moi aussi. Hein, j'ai un petit peu aidé à la manœuvre, je dois dire. Tendu. Elle a un bon appétit, mais pas suffisant, mais apparemment. Mais... Bon, ben pour on cette... va y arriver là. C'est là, attention. Hein. Prise de nerf. Ah oui, oulala. Si elle réussit pas, elle reste dedans. Écoutez, c'est des menottes. J'ai pensé à l'assaut. C'est pas très original, mais. Ah bon? J'ai pensé à l'assaut pour cette époque. Sandrine. T'as de la chance, Stella te garde comme coach. Ouais. Bon, ça va. Ah. C'est Stella, vous avez un appétit magnifique. Merci. Alors, pour la menotte, dans cette cellule, vous risquez de rester prisonnière, bien entendu. Il va falloir suivre avec la menotte le tuyau. Je vous attache la main gauche. Je reviens à le même chemin. Ça va, je vais t'expliquer. Il va vous expliquer. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Attention, petit top modèle, je dis top. Avec cette main. C'est parti. D'accord. Prête-toi avec le plan. Ne panique pas. T'as des trucs, voilà. Bon, tu rentres. Regarde où est la clé. La clé, elle est tout au bout du tuyau. Ok? Il faut que tu t'aides avec ton autre main pour diriger la menotte. Et que tu passes tous les petits... Toutes les petites choses trop tendantes qui sortent. Voilà, parfois il faut que tu dévises des choses. Non, 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 c'est bon, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Vas-y, passe, enlève-le, enlève-le. Vas-y, laisse-le tomber, laisse-le tomber. Voilà. Non, non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, fonce. Non, mais elle est formidable. Faut que t'ailles vite. Oui. Voilà, dépêche-toi. C'est pas la peine de remettre les trucs en place. Hein. T'embête pas. T'inquiète pas, il risque d'y avoir d'autres jets de vapeur, des trucs comme ça. Faut pas que tu fasses attention, c'est pas dangereux. Fonce, fonce. C'est quoi là? Non, c'est bon, c'est bon. Non, ça. C'est dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ouais. Mets ton poignet en bas. Voilà, oui. Ah, ok. Voilà, c'est bon. Non, merde. Fonce, fonce. Regarde dans le sens. Qui regarde le temps là? Ouais, moi je regarde le temps, c'est bon. Mets ton poignet en bas, mets ton poignet en bas. Mets ton poignet ouvert en bas. Je vois pas où il est le truc là. La ouverture vers le bas. Non, c'est bon, remonte, remonte, je vais te dire, remonte. Voilà, comme ça. Exactement. Comme ça, et tu le passes, là. Et passe par le bas, voilà. Voilà, fonce, 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 fonce. Vas-y, tu t'es passé, allez, fonce. Vas-y. Dépêche-toi. Vas-y, vas-y, dépêche-toi, allez, dépêche-toi. C'est bon, c'est bon. L'ouverture vers le robinet. Non, non. Voilà, super. J'en mets pas, j'en mets pas. Vas-y, vas-y, fonce. Par là-bas. Vas-y, vas-y. C'est bon au niveau du temps. Faut que tu speed, là, vas-y, vite. Vas-y. T'es sûr que t'as besoin de... Ouais. L'ouverture, ouais. Ah là là, il y en a plein. Vas-y, elle fonce, est gauchère. Ouais. Hein, ça va encore ou... C'est ça. Pourquoi vous l'avez attaché la main gauche alors? Bonne question, merci. Fonce, 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 fonce. Allez, l'asso. Ah, il a plein. Ah. Fonce. Vas-y, dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ton maman, elle est menottée. Il faut que tu ailles jusqu'au bout pour pouvoir retirer la menotte. Pour pouvoir sortir. Et au bout du tuyau, il y a la clé. C'est fonce, 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 accélère. Allez, pas loin. Vas-y, accélère. C'est presque arrivé. Allez, vas-y, vite. Allez, allez. On peut voir où c'est bon. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Et bien voilà, c'est le travail de Passepartout qui vient. Ah, là. Passepartout, je suis sûre qu'on a enfermé une jolie fille, ça me fait mal au cœur. Les boules. C'est fini l'assaut, c'est fini. Regardez la boule. Alors l'assaut est en prison, tu sais comment elle peut se libérer? Faut qu'elle aille dans la cage, qu'elle trouve le code, etc. Gentil la boule avec l'assaut, s'il te plaît. Oui. Ah. Mais comment t'as eu la clé? Parce qu'elle a fini le coup.
Allez, on s'y passe partout. L'assaut peut se libérer, alors... Difficile, hein. Pardon. Alors, bon, une prisonnière. Elle a eu la clé quand même. Mais elle compte pas. Elle compte pas parce qu'il fallait qu'elle sorte avant le temps. Elle la garde pas donc. Ah non, elle est perdue la clé. Elle est perdue la clé. Et puis si elle trouve l'autre clé, elle sera peut-être libérée. Sandrine, d'accord. Comment ça se passe? Passepartout est très très mécontent d'avoir enfermé l'assaut dans l'épreuve de la menotte. Il a les boules et d'ailleurs c'est la boule qui est allée chercher l'assaut pour la mettre en prison. Pas de sentiment. Le fort est impitoyable. Passepartout, ne l'écoute pas. Bon. Pour cette cellule, pour pas avoir le teint enfariné, il va falloir transporter du grain. Ah oui, ça, au moulin, il faut quelqu'un qui ait une âme de fermière, là. De fermière? Ou de fermier, à moins que tu te sentes. Vous vous sentez paysan? Je me sens très paysan. Eh bien, écoutez, voilà. En place. Peut-être. Ah, meunier, ton moulin, il tourne si vite. Alors, il y a un intello qu'il fallait envoyer en vigie, peut-être. Hein. On va attendre que le coach ressorte. Alors, l'épreuve là, puisqu'il a voulu se transformer en meunier, il va falloir qu'il, tout au long d'un parcours, remplisse tous ses récipients de graines. Et au fur et à mesure qu'il les dispose dans un seau, ce qu'il est en train de faire, et à chaque fois que vous voyez, tu mettras les graines dans ce moulin, tu feras tourner la roue du moulin. Et à force de tourner, la clé deviendra accessible. Allez, mais c'est un parcours d'aller voir. Cours un peu, là, hein. Oh là là, non, les poules, elles vont mourir de faim avec un fermier pareil, là. Allez. Et allez. C'est un rôle de composition pour Jocelyn, là. Allez, vas-y, c'est bon. Ça tourne bien, là. Pas le temps encore. Allez, Jocelyn. Il est très minutieux, il prend, hein, il fait ça bien. Ça va, le temps. Il en fait le moins possible. Tu vois, ça tourne. Il l'a ! Allez ! Allez, Jocelyn ! Allez, Jocelyn ! Ouais ! Bien, tranquille. Jocelyn, bravo ! C'est une bravo. Bonne fermière. Tiens, passe partout. Eh bien, la fermière, maintenant, il faut qu'elle se retransforme en maître. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir quelqu'un pour aller rencontrer le père Froid. Quelqu'un qui va être très très contente de le faire, c'est Poussy. Ah, Poussy. C'est vous, Poussy. Vous rêvez de rencontrer le père Foura? Oui. Oui, bien sûr. Dans mes rêves, c'est tout. Suivez passe-temps. Voilà. Sandrine, je vous laisse faire vos impressions. J'ai lu dans une interview que tu te définissais comme quelqu'un de doux, dur et dingue. Ah. C'est quoi le 4e D? Je sais pas, c'était une référence à Clint Eastwood et son singe sur l'épaule. Le 4e D, c'est difficile comme le truc, là, non? Ou dresseur de poule, non? Ah, pas mal. Bon, dresseur de poule. Dresseur de poule. Pas mal, non? C'est un nouvel emploi, ça. Fatigant. Ah, c'est un job à plein temps. Jocelyn, qui va plonger pour récupérer éventuellement la clé que Poussy ne gagnerait pas? C'est moi. C'est vous? Mais tu fais tout, toi. Quel coach! Jocelyn, vous savez que je vous aime beaucoup comme comédien. Eh bien, alors, je trouve que comme coach, vous êtes remarquable. Merci. Nouvel emploi. Il est attendri, Nous n'avons pas le droit d'avoir de rapport intime, mais nous pressions très bien avant le fort. Attention, c'est parti. Allez, vas-y, si jamais elle... Blonde, rouge, brune, oulalalala, un vrai feu d'artifice. Oh, je sais plus où j'en suis, où est moi? Ah bah oui, mon livre est là. Oh, ça, tout va très bien, là, quel monde. Pussy Free Shop, Duty Free, excusez-moi, je suis troublé. Vous n'avez pas le vertige, vous, ici, là, c'est pas trop pour là, vous? Là, ça va, parce que je suis un peu protégée. Les repères, n'est qu'à vous fixer sur moi. Oui, et en attendant, c'est vous qui donnez le vertige. Bon, alors écoutez bien, voici l'énigme. C'est...
est un étalon qui ne galope pas. Un âge bien heureux et plein d'éclat. Et s'il se laisse facilement aplatir, on ne prend pas ses feuilles pour écrire. Qui est-il, je répète ? C'est un étalon qui ne galope pas, un âge bien heureux et plein d'éclat. Et s'il se laisse facilement aplatir, on ne prend pas ses feuilles pour écrire. Qui est-il, Poussy ? Alors, ce qui vous vient par la tête. Enfin, ce qui vient par la tête. Ah bon ? C'est aussi vite que ça ? Non, c'est pas possible. Allez, non, allez, non, vous laissez pas troubler. Oui. Vous êtes pleine d'esprit. Ça se voit, ça se sent. Allez. Là, je suis un peu perdue. Qu'est-ce là. Qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? Il se laisse pas écrire. Oh là là là, c'est le sang là. Les talons, le alors. Cheval, mais bon, c'est non. Un chalot qui. Un talon qui se galope, qui ne galope pas. Eh bien, c'est trop tard. C'était l'or, et vous allez dire, bien l'or. Sûr, mais oui, l'or est un étalon monétaire, et puis l'âge d'or d'une civilisation et son époque heureuse, l'or est le plus malléable des métaux, et puis les feuilles d'or. Oh, mais écoutez, vous n'avez pas gagné cet or-ci, mais je suis sûr que dans le futur, des quantités seront déposées à vos pieds. Allez hop, par exemple, j'avais prévenu Jocelyn qu'il irait... Eh ben, il va y aller. Qu'il irait nager. Allez hop. Non, décidément, cette table est trop large, ça m'éloigne des candidats. Surtout des candidates. Alors ? J'ai perdu. Oh, ceci, eh oui. Ah, elle avait dit qu'elle voulait pas y aller. Hein. Alors t'en es où ? Est-ce que tu as. Eh hey, regardez, regardez oui, un code oui, ici, non. vite. 18:34. Vas-y. Bravo. Regarde tes mains, dans quel état tu t'es mise. Pose les clés, pose-les. Voilà, mets-toi debout, parce que sinon tu vas te blesser. Regarde tes mains, non mais franchement, jolie fille comme toi avec des mains sales pareil. Passe-partout, ça va ? Regardez, on suit Passe-partout, on va à la mer pour récupérer la clé que n'a pas eue. Attention ! Allez, viens. Jocelyn, tu décides quoi ? Rastignac, le héros, décide quoi ? Il plonge, il saute. Avec de l'élan. Il frime, donc. Attention, Passe-partout. Il frime, mais il bouge son nez en sautant. Elle est là-bas, tout au bout. Nini. Allez, courage. Pousti, regarde un homme à l'eau pour toi. Ouais, c'est beau, hein. Exprès. Vengeance, fallait pas l'envoyer. Je te l'avais dit, hein. Ah bah ouais. Ah, c'est ton choix. Jocelyn, souris, t'es filmé. Non, pas sur ton nom, pas la clé. C'est bien, c'est mieux. Elle vient, dépêche-toi maintenant. Passe-partout, il y a combien de clés maintenant ? 5 clés. Il vous en reste donc ? Il en reste donc 2. Personne ne suit, ça me fait super plaisir. Allez, tu y retournes. Bravo, Jocelyn. Tu te changes ? Oui, j'y vais. Reste là, 2 minutes, tu nous laisses partir. Ok ? Allez, hop. Jocelyn, tu les as suivis, toi ?
Jocelyn. Oh, héros. Il est rentré mouillé, lui. Ah oui, j'ai pas pris le temps de me changer, j'ai une équipe quand même. Viens me rejoindre. Bien, t'as raison. Venez me rejoindre. Bravo, quel héros. Je suis pas un très bon coach, mais je bosse. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Alors, pour cette cellule, il va falloir échanger une jeune fille saine, bien dans sa peau, bien sur ses pieds, pour contre la clé du trésor. Il va falloir qu'elle sache surfer. Je vois, tu veux en venir. Je pense à Psycho. Psycho va surfer. Psycho va surfer. Psycho, attention. Allez. Psycho, attention de ne pas boire la tasse. Ok. Alors là, il faut que tu ailles sur la planche. Ouais. Et regarde le dessin qu'il y a de fait pour les pieds. D'accord. Tu suis le dessin qui est fait pour les pieds, tu le mets dans le même sens. Et apparemment, la technique, c'est de regarder le bout de la planche, de pas trop regarder tes pieds parce que sinon tu glisses et tu tombes. Mais si tu regardes le bout de la planche, ça va être plus simple. Et au bout de la planche, il y a la clé. Et bon courage. C'est un truc à rajouter. Est-ce que je peux y aller à quatre pas ? Pense à toutes ces années de surf et de skate que t'as fait. Je suis sûre qu'elle a fait. Elle est super forte, j'ai jamais été aussi loin. Allez, oui, bien, c'est bon, hein. T'as le temps. Hyper bien. Ouais. Hyper bien, continue comme ça, t'as du temps. Prends ton temps, tranquille. Ouais. Hyper bien. Allez, concentre-toi. Mais ouais, mais c'est des danseuses, tu vois. Elles ont sens de l'équilibre. Tes bras. De l'esthétique aussi, là, parce qu'elle est magnifique. Beau, hein. Très belle. Waouh. Psycho, t'assures comme une bête. Ouais. T'as le temps. Panique pas, ouais. Panique surtout pas. Accélère pas, c'est bon, hein. Accélère pas, il faut pas tomber surtout. Excusez-moi. Allez. Tu es presque. T'énerve pas. T'énerve surtout pas, faut pas tomber. Prends ton temps. Ok, maintenant faut y aller. Tu te jettes sur la clé. Tu sors. Suivez Passepartout. Sixième clé, suivez Passepartout, s'il vous plaît, continuez pour la septième clé. Je crois que je n'aimais pas l'eau, mais finalement, peut-être que ma soeur, si je tombe pas, c'est... Et dis-moi une chose, tu t'es rattrapée de tout à l'heure. Oui, heureusement, parce que j'étais très déçue. En plus, je commencerai à... T'es contente ? Allez, viens, c'est tout pour nous. Oula. Adieu, les filles. Monsieur Castaldi, bonjour. Jocelyn, bienvenue chez Bohémienne. Bonjour. Devant vous, 9 ronds. Si vous découvrez une tête de tigre, vous voyez des boyards. Très bien. Si le rond est vide, vous perdez tout. D'accord. Votre équipe a subi 4 échecs, donc je vous inflige 4 pénalités. Bohémienne va les placer sur les ronds, là où vous les indiquerez. Autant de possibilités de gagner des boyards en moins, mais vous pouvez recouvrir le cercle vide. D'accord ? Très bien. Choisissez les ronds. Celui-là. 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 Rastignac est un joueur. C'est à vous. Marqués d'une croix sur les épreuves que vous avez ratées. Voilà, les autres sur les épreuves. Je ne sais pas s'il a notion tout à fait de ce qu'il fait. Oui. Parce qu'il y va comme ça sans réfléchir. Bravo, super. Bien, franchement. Alors attendez, regardez, la bohémienne va vérifier où se trouvait. Elle va nous montrer où se trouvait. Et voilà, celle qui l'aurait fait perdre et tout perdre. Alors ? Est-ce que tu t'es rendu compte de ce que tu faisais ? Pardon ? Tu t'es rendu compte de ce que tu faisais ? On avait le sentiment que tu jouais comme ça. Elle est là, elle est là. Ah oui, non, je sais pas. Hein ? C'était, bon, bah, tu savais ce qui se passait quand même. C'est bien. Ah, joli magot. Merci. Eh bien, il me faudrait une jeune fille avec la
qui aime risquer tout, aller un peu partout. Elle va découvrir avec ses mains plein de choses. Il va pas falloir qu'elle ait peur. Je vois ce que vous voulez. Beaucoup dire. De courage. J'ai pensé à l'asso, bien sûr. L'asso. L'asso pour ça. Ouais. Calypso. L'asso, elle a peur de rien, je vous le dis, moi. Alors, voilà, tu rentres. Il faut rien lui dire. Faut que tu fasses. Commence à une extrémité. Non, non, dans celui-là, il n'y a rien. Dans celui avec les souris, il n'y a rien. Il faut que tu commences. Va vite à une extrémité. Oui. L'extrémité, c'est. Oui, va d'un côté. Va tout au bout d'un des tonneaux. Va au dernier tonneau. Voilà, il faut que tu mettes ta main dedans. Allez, vas-y, vas-y. Il y a une clé. Il faut que tu fouilles. Il y a une clé dans l'un d'eux. Elle est là. Incroyable. Tiens, passe-la dans l'eau. Dit qu'elle est à l'extrémité, donc en fait, dis-moi. Incroyable. L'asso, est-ce que tu as eu l'impression d'être une crazy mouse là? Non, je suis très contente que c'était dans ça et pas dans le. Au briefing, t'avais pas dit que tu détestais les rats et les souris? Les souris, ça va, les rats. Non, les rats. Je me disais qu'il ne pouvait pas y avoir de rats dans le bocal. Alors, non, parce que c'est la seule à pas avoir peur des araignées. La septième clé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas encore joué pour une couleur et que vous allez pouvoir le faire maintenant. On a le temps, là. Ben oui, on a le temps. On va le faire. Hein? Septième clé. On en suit passe-partout. Bravo, la sauve, viens. Lumineuse, quand tu souris, il fait jour, même la nuit. Et comme dit Wonder Stevie, tu es le soleil de ma vie. Oh. Ah, c'est ma princesse, regardez comme elle est belle. Je crois qu'elle est un petit peu jalouse aujourd'hui de votre présence. Hein? Vous aussi, d'ailleurs. Vous aussi, vous êtes jalouse. Bravo, bravo, vous avez cette clé, c'est exceptionnel, n'est-ce pas, Sandrine? Ah oui, formidable, une équipe lumineuse et merveilleuse. Oh, vous avez fait encore des rimes, bravo, Sandrine. Jocelyn, vous pouvez jouer pour la couleur en toute quiétude, vous avez le temps. On va le faire. On va le faire. On y va. C'est parti. Si vous, à la maison, vous pensez que l'équipe lumineuse de Jocelyn aura aujourd'hui la couleur du jour, vous pouvez jouer avec nous, avec vos portables, au numéro qui s'affiche maintenant. 2500. Bonne chance. Ils ont gagné les 7 clés. Bingo! Et maintenant, ils misent sur la couleur. Attention, attention, rien ne va plus. Affaire à suivre. Oh, elle est déjà partie. Oh. C'est du fétichisme. Ça a l'air bien. Alors, pour gagner cette couleur, il va falloir quelqu'un d'un petit peu alchimiste, un petit peu acrobate, parce que la formule n'est pas facile à trouver. Je vois. Poussy se plaignait tout à l'heure de ne pas avoir été très active. Je crois que là, elle va pouvoir se racheter. Très active. Il va falloir que tu vois. Oui. Alors voilà. Poussy, attention, le père Fira te regarde. Allez. Okay. Allez, alors, là, regarde où elle est la clé, elle est au fond. Là. Tu vois, il y a trois numéros, la clé elle est sur le 3. J'ai une info supplémentaire. Il faut que c'est tu prennes va vite au truc où il y a de l'eau jaune là, jaune fluo. Il faut que tu mettes l'eau dans le tube et tu mets une main de chaque côté pour pas que l'eau s'échappe. Voilà, comme ça. Exactement. Voilà, exactement. Ouais, et maintenant tu vas te mettre sur le dos. Mets-toi sur le dos, il faut que tu passes par en dessous. Alors, info supplémentaire, c'est une clé qui sera échangée contre une couleur. Voilà, et tu pousses le contre. Fais gaffe de ne pas perdre trop de liquide. Ouais. Pousse bien. Mets sur le dos et il faut que tu ailles vite, hein. Il faut que tu te dépêches. Allez, exactement. C'est hyper bien. T'inquiète pas, il y a des trucs un peu qui explosent, tout va bien. Vas-y, Poussy. Fonce. Et là, tu verras, à la fin du parcours, il y a trois tubes. Il faut que tu mettes l'eau dans les trois tubes. Là, je sais pas, continue, c'est un parcours du combattant en face de toi. En face. Ouais, juste en face. Voilà, tu passes le truc. Faut que t'ailles vite quand même, hein. Fais gaffe, faire pas trop d'eau. Ils sont où les tubes? Au bout continue du parcours. Au bout du parcours. Elle a perdu toute l'eau, merde. Fais gaffe à l'eau quand même. Elle met bien tes peaux au bout du petit. À chaque fois que tu vas mettre de l'eau dans un tube, ça va faire tourner le truc. C'est long comme parcours. Ça va le faire bouger jusqu'au numéro 3 et quand ça sera sur le 3, tu pourras récupérer la clé. Allez, t'as compris, t'as vu le parcours maintenant. Mais bien, t'es facile aux extrémités du tube. Essaye de ne pas perdre trop d'eau. Ouais, pas les doigts, les paumes. Et pousse bien sur tes pieds, sur les côtés. Vas-y, pousse. Pas pour rien qu'on va bosser le soir. Faut que tu te dépêches quand même.
Pourquoi t'as dit ça? Elle fait de la muscu entre les deux choses, c'est pour ça. Mais fonce. C'est de l'exercice. Faut que t'ailles plus vite. C'est la plus entraînée, alors c'est ça que tu veux dire? Ouais. Aïe, 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 alors elle va pas vouloir du tout aimer rater cette épreuve. Allez, vous aussi, tu connais le parcours maintenant, vas-y. Tu perds beaucoup d'eau, fais attention, protège avec tes paumes. Mets bien tes paumes, pas tes doigts. Arrête de faire ça, c'est ridicule. Ça ne sert à rien de faire exploser des trucs. Hein. Passe-partout, je te vois surveiller la clé. Qui surveille le temps, là? Attention, hein. Moi, j'ai une info pour vous, elle va voir... Bon, mène-toi, tu vas être prisonnière. Tu sors. Tu crois, je peux pas finir le parcours, il faut juste tomber. Ouais, sors. Mieux que tu sois avec nous. On peut dire que vous avez tenté le tout pour le tout. C'était une clé supplémentaire qu'on aurait échangée contre une couleur. Il y a quand même une deuxième possibilité d'avoir une couleur. Peut-être que... Poussy, touche plus à rien. On a le temps. Non, là, c'est fini. Là, c'est terminé. C'était la dernière option. C'était la couleur. C'était la cerise sur le gâteau. Tu ne l'as pas eu, mais tu peux l'avoir avec ton équipe dans la deuxième partie du jeu. C'est-à-dire les aventures. On file maintenant. On se passe partout. On conseille. Ça va aller, Poussy? Ça va pas très fort. Mais si, allez... Messieurs, je vous préviens, ne vous laissez pas ensorceler par les charmes ravageurs de nos candidates. Messieurs, soyez maîtres de vos sens, maîtres du temps. Jocelyn, tu es le coach de cette équipe. C'est donc à partir de maintenant, dans la salle du conseil, c'est toi qui décides de qui fait quoi. Quatre d'entre vous feront les épreuves avec les maîtres du temps. Écoute bien ce que te dira Jean-Pierre. Très bien. J'aime bien quand tu me regardes comme ça. Moi, je suis aux ordres. Jean-Pierre, c'est bon. La boule, faites entrer Jocelyn. Vas-y, laisse la bourse des boyards ici. Tu la récupéreras après. Tu passes partout, c'est la compris. Oh, j'adore cette douceur. Jocelyn, bienvenue chez les maîtres du temps. Merci. Vous êtes venu ici pour gagner le temps que vous avez passé dans la salle du trésor. Pour gagner ce temps, il va falloir gagner des duels contre mes maîtres du temps. Chaque duel vous rapportera 35 secondes. Moi, je vous offre 1 minute 40. Vous êtes trop bon. Venez près de moi, Jocelyn. Ici, oui. En tant que coach, vous allez choisir 3 de vos partenaires pour affronter les maîtres du temps. Je vous montre les défis et vous les choisirez. Premier défi. De l'adresse. Qui choisissez-vous? Je vais prendre Nini. Nini. Deuxième duel. Le hasard. Le hasard, je vais prendre... Elle a de la chance, je vais prendre Stella. Stella. Troisième défi. Là, c'est la force et l'adresse. Je sais pas, la force, c'est peut-être moi, non? Non, parce que votre duel, c'est moi qui vous préfère. Ah, d'accord, très bien. Bon, je vais prendre... Là, c'est plutôt du réflexe, disons. Un réflexe, plus que de la force. Je vais prendre Psycho. Psycho, très bien. Eh bien, nous allons faire entrer le premier de vos partenaires. La boule, faites entrer Nini. 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 Oui. Jocelyn vous a choisi pour vous mesurer en premier contre un de mes maîtres du temps. Si vous gagnez votre défi, vous pourrez faire gagner à votre équipe 35 secondes dans la salle du trésor. Oui. Votre défi. Devant vous, des brouillards troués, vous les mettez dans le verre. Si le verre coule, vous avez perdu. Si le maître des temps fait couler le verre, vous avez gagné. Vous avez compris? C'est vous qui commencez à jouer. Vous prenez un brouillard, vous le mettez dans le verre. Voilà. Bien entendu, tu as le droit de l'encourager. Allez, Nini.
Je peux faire des petites... Oui, mais dans le silence, parce qu'il y a besoin de concentration quand même. Je respecte tout le reste. Voilà. Mais je vois qu'elle réfléchit très bien. Je crois qu'elle se passe très bien de mon aile. Celles qui sont bien légères, peut-être. Ouais, mais ça, s'il n'en reste plus. Ben ouais. Désolé. Deuxième défi, nous avons dit. Le hasard. Le hasard, Stella. La boule, faites entrer Stella. Stella, bienvenue. Malheureusement, Nini a perdu son défi, mais vous, vous pouvez gagner le vôtre. C'est Jocelyn qui l'a choisi pour vous, je vous le montre. Voilà. Venez avec moi, Jocelyn. Voilà, devant vous, un jeu de cartes, c'est simple. Vous tirez une carte. Si la lettre correspond à B, vous mettez sur le B, sur le O, sur le Y, sur le A, le R, et vous avez un joker. Le premier qui remplit Boyard a gagné. Vous commencez, tirez une carte. Je peux la regarder? Ah, il faut la regarder, il faut la montrer, c'est le O. Là, c'est le solo, voilà. Le B, à vous. Le R. Le A. Le D, bravo. Le Y, nous sommes à égalité. À vous. D. B. R. R, il a une carte d'avance. À vous. A. D. Y. Je suis désolé, vous avez perdu. Non. Passez. 10 à Sandrine, que vous n'avez pas gagné votre défi, vous êtes toujours à la tête des 1 minute 40 que je vous ai offert. Troisième défi, c'est... Psycho. Psycho. La boule, faites entrer Psycho. Allez, Psycho, c'est à toi. Bon courage. Restez dans la lumière.
C'est qu'on se voit si bien sur votre rouge. Vos deux partenaires ont perdu leur défi. Vous n'avez pas gagné de temps dans la salle du trésor encore. C'est très important. Il vous a choisi pour le troisième défi. Je vous le montre. Devant vous, le maître du temps va lever un cercle. Vous passerez votre bras tendu dans le cercle. Il exercera sur vous une pression. Il va relâcher la main. Et à ce moment-là, il ne faudra pas que vous touchiez le cercle. Et sans faire tomber la boule. Vous avez bien compris ? Vous tendez le bras dans le cercle. Il va exercer une pression sur vous. À mon top. Et quand il va relâcher la main, il ne faudra pas que vous touchiez la boule. Vous êtes prête ? Non mais là, au centre du cercle, maître du temps. Au centre, voilà. Allez-y. Il relâche quand il veut. Voilà. Je suis désolé, psycho, vous avez perdu. Vous pouvez rejoindre Sandrine, par ici. La situation est un petit peu... délicate. Délicate. Mais pas désespérée. Vous pouvez encore gagner votre duel. Ce qui vous pourrait vous mettre à la tête de 2 minutes 15, ce qui est correct. L'idéal, c'est 2 minutes 50, mais 2 minutes 15, c'est bien. Je vous montre votre duel. Allez-y. C'est un hommage à Rastignac. C'est un hommage à Rastignac parce que c'est encore un peu de chance et de gamberge. Hein ? Le ciseau coupe la feuille recouvre le puits, la pierre tombe dans le puits, donc vous gagnez ou vous perdez. Vous prenez les cartes entre les mains. À mon signal, vous abattez une carte ensemble. Et je vous dirai quel est le vainqueur. D'accord ? Vous êtes concentrés ? C'est parti ! Alors, le ciseau tombe dans le puits, vous avez gagné. 1-0. Reprenez la carte. Jouez. La pierre tombe dans le puits, vous avez perdu un partout. Attention. Abattez. Le ciseau coupe la feuille, vous avez gagné 2-1. Vous êtes prêts, concentrez-vous. Abattez. Égalité. 2-1 toujours pour vous. Concentrez-vous. Abattez. La pierre tombe dans le puits. 3-1, vous avez gagné. J'ai gagné le défi. Vous avez gagné le défi. Ouf. Donnez-lui son temps. Voilà. Merci, Charlène. Versez ce temps-là, là-dedans. Voilà. Vous allez remettre ceci à Sandrine et lui dire que votre équipe est à la tête de 2 minutes 15. Monsieur Castaldi, merci. Je vous en prie, Rastignac. Eh bien, messieurs, je ne sais pas comment vous avez fait pour résister à autant de charme, mais vous l'avez fait et je vous dis bravo, parce que moi, à votre place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bravo, messieurs. Alors, Jocelyn ? Ouh, il n'y a pas beaucoup. Un défi. Oui, un seul. Un seul réussi ? Oui, mais bon. Jocelyn, c'est pas terrible. On va se dépêcher, on ira vite, c'est pas terrible. Allez, on va retrouver Jean-Pierre là-bas. Mettre les clés. Synonyme de la deuxième partie du jeu. Là. Là-dedans. Merci. Ça dans le chaudron. Voilà. Vous mettez les clés dans les serrures. Vite, les clés dans les serrures. Pour armer le mécanisme qui va ouvrir cette grille au gong final, vite dépêchez-vous. Voilà. Sandrine. Que deux petites clés. Un petit résumé de cette première partie de soirée, vos petites notes, votre cahier, votre. Petit cahier rouge, votre humeur du jour. Cette clé en un temps record, on a vu s'allier l'esprit et le corps avec Nini qui a coupé le souffle au Perfora complètement et mis KO la catcheuse du fort. Un coach qui est allé au four et au moulin et qui n'a pas hésité à mouiller sa combine. Alors toutes les filles de Crazy ont un petit surnom, vous l'avez remarqué. Oui. Donc moi aussi, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai trouvé un petit surnom pour Jocelyn. Oula, je peux le dire. C'est quoi ce surnom ? C'est... Jojo la houppette. Jojo la houppette. Je vous la fais. Bon, à partir de maintenant, je redeviens le maître du fort. Donc, c'est moi qui vais décider des aventures que vous allez vivre en fin de soirée. Alors, la première aventure, c'est de rencontrer le père Foura.
C'est vous si que j'ai choisi pour aller le voir. C'est toi qui le je vous rappelle que chaque indice vous permet de trouver le mot code et le mot code donne accès à la salle du trésor. Donc c'est très important. D'accord ? Vous allez retrouver le père Foura. Vous allez suivre Passe-Temps. Voilà. Quant à vous, je trouve que vous êtes dans une tenue un peu toujours la même. Vous allez vous habiller un petit peu plus tard. Vous vous préparerez pour la deuxième aventure. Très bien. N'est-ce pas, Jocelyne ? Non, restez avec moi. D'accord. Nous allons voir comment se passe ce rendez-vous. Là-haut avec le père Foura. Et la belle Lily. Oui, et savoir si vous allez avoir votre premier indice. Bon alors, pour la cambrure, bon, ben ça va, oui. La souplesse, et ça va aussi. Ben, il me reste à faire une petite couleur. Ah, Nini. Nini, ben vous revoilà, oui. Vous revoici. J'en ai de quoi faire un petit peu, mais... Oui, vous pensez que... Ça... Ah oui, non, c'est parfait. Bon ben, j'espère que ça va rester mémorable. Espérons. Voyons ça. Écoutez bien les trois définitions. Me dites ce qui vous vient par la tête. Première définition. Mon premier indice peut être rouge. Allez, allez, allez. Rouge, oui, un marteau, non. Une couleur, une voiture. Pas rouge, le cœur. Deuxième définition. Il ne faut pas perdre mon premier indice lors d'un discours. Recouper les deux. Perdre la parole, perdre rouge. Perdre mon premier. Nerveuse avec les doigts, vous. Hein. Rouge. Et troisième définition, mon premier indice est parfois électrique. Perdre les pédales, perdre. Ah, rouge, perdre. Je n'en sais rien. Eh bien, pour le moment, vous n'en savez rien, mais ça va peut-être changer. Uh-huh. Vous continuez à réfléchir, vous descendez, vous suivez Passe-Temps, ouais. Et vous allez peut-être trouver. Ok. Allez, allez. Merci. Eh bien, vous gardez un bon souvenir quand même. Oui, en tout cas, ce qui me concerne. Moi, je pense que je vais devoir donner des cours d'énigmes au Crazy. Jocelyne, prêt pour une ascension foudroyante là-haut. Ah, je suis à fond, là. À fond. Oh là là. N'oublie pas l'indice sous la vigie. T'as quelques secondes pour les lire, d'accord ? D'accord, ça va être en face de moi, très bien. Attention. Ça veut dire qu'il faut que tu ouvres les yeux, mon cher Jocelyne. Gardez bien ouvert. Stella, Psycho, Lasso, vous allez vous préparer tout à l'heure pour la prochaine aventure. À la hache. Foussi. Voilà. Vous, manivelle. Il m'en manque une, elle est où ? Nini qui arrive. Ah, ben la voilà. Nini, t'arrives juste à temps pour les manivelles. Regarde, il va falloir que tu armes ce mécanisme comme ça, regarde. Allez, vas-y, Lini, viens. C'est bon, t'as compris ? Il en faut deux. Voilà. Une deuxième, non, peut-être ? Non, elle ne peut pas, parce qu'elles vont aller s'équiper. Ah, d'accord. Tournez d'abord, ouais, et puis après, voilà. Voilà. Attention, allez-y, tournez les filles. Non, c'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Merci. Attends, voilà. Allez, tirez, tournez. Allez, un tout petit peu. Voilà. C'est bon. C'est bon. Je suis à fond. Tu vas, tu peux te venger. Voilà. Attention. Tu es prêt pour cette ascension ? Ah, j'adore. Allez, 1, 2, 3. Allez-y, les filles. Allez te préparer, les filles. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est théâtre. Tu étais au balcon du théâtre. Alors, Nini, est-ce que tu as eu envie de Non, mais en descendant, j'ai réfléchi au troisième indice. J'ai une idée, j'aimerais la soumettre à mes... Alors, vas-y, parce que pour le moment, il y a Foussi près de toi qui est gelé. Jocelyne. Alors, viens, on va retrouver Jocelyne. J'ai pas trouvé. Viens. En attendant, vas-y. Mais la question, c'est quoi ? Mon premier indice peut être rouge. Mon deuxième indice fait que mon premier indice, il ne faut pas le perdre lors d'un discours. Et mon troisième indice peut être électrique. Ok, c'est j'ai une idée. Fil. J'ai pensé à fil, moi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas bon ? Fil rouge ? Alors, mais j'ai pas trouvé d'arbre. Ah, d'accord. Mais tu sais ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'après, quand tu redescends, on a la possibilité de continuer à réfléchir, mais c'est quand même un peu risqué. C'est bon, un fil rouge ? Fil et théâtre. Alors. Donc maintenant, il faut faire une association. Comment c'était ? C'était génial, mais en fait, c'est pas la montée qui est la plus impressionnante, c'est quand tu redescends, quoi. Quand tu redescends, tu fais « Ah, c'est énorme !» T'avais jamais fait quelque chose qui ressemble à ce genre d'expérience ? Soit l'élastique, mais c'est dans l'autre sens. Tu as adoré, alors. C'est prêt à recommencer. Complètement. Bravo. Moi aussi, passe-partout, à la prochaine aventure, on laisse Jocelyne. Jocelyne, tu nous rejoins, alors. Bravo. J'arrive tout de suite. Mais
Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Allez-y, en place, mettez-vous en place. Voilà. Allez, courage, voilà. Vous démarrez à mon top, lundi, c'est devant vous, là-bas, vous le voyez. Il va falloir danser ensemble pour y arriver. Sandrine, puisque vous êtes là, envoyez Nini s'équiper pour la prochaine aventure. Nini, prochaine aventure, c'est toi qui t'y colle, tu suis pas voilà, avancez, mesdemoiselles. Je me mets sur les planches. Allez-y, sur la première. Allez, psycho, n'ayez pas peur. Allez, psycho, la chenille. Suivez. C'est la petite chenille, les filles. La petite chenille, vous allez faire un beau corps de balai. Je me mets sur la deuxième. Passez sur la première, vous êtes prêtes? Non, je peux pas passer, là. Je peux pas... Ah. Attention, c'est parti. Voilà. Pousse avec la deuxième. Vous voyez, t'as la deuxième? Oui, mais j'ai pas de place pour les deux. J'ai pas de place. Ah bon. Ok, vas-y, vas-y. Je peux reculer? Ok. Attends. Oh là là. Jocelyn, regarde ce que font les filles. Elles font une chenille. Bon, là, t'as la place. Sympa, ça. Tu as la deuxième? Je peux mettre sur la deuxième? Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Avance, c'est bon. Allez-y, les filles. Traînez pas trop. Elles ont l'habitude d'une chorégraphie. Quand vous faites une chorégraphie au président, vous faites c'est bon, j'ai la deuxième. Ordonnées, les unes avec les autres. Alors attention, si vous, vous avez envie de jouer avec nous à la maison, vous pouvez à partir de maintenant, si vous avez une petite idée du mot code, le taper sur votre téléphone portable au numéro qui s'affiche, c'est le numéro 2500. Vous avez peut-être une belle idée parce que vous avez vu ce que sont capables de faire les filles. Alors à la maison, si vous avez cette bonne idée, bonne chance. Allez les filles, c'est pas mal. Allez, c'est bien, faut aller un peu plus vite, essayez d'aller un peu plus vite. Allez, attention, porte-moi. C'est bon? Allez, allez. Est-ce que ça va? Pas du tout. Le club des Crazy. Du Crazy. Allez, attention. Ah, j'arrive pas à prendre. Regardez pas trop en bas. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, ah, regarde. Ah. Mais non, mais parce qu'il faut pas que tu restes dessus. Avance sur l'autre. Allez, vous y êtes prêts, non, 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 va sur la première, va sur la première. Voilà, vas-y, enjambe. Voilà. Ensuite, tu pousses avec la deuxième. Et là, à la prochaine avancée, voilà. Tu peux l'attraper, je pense. Et tu fais la même chose. C'est bien, vous y êtes prêts. Allez. Alors maintenant, qui va se lever pour attraper la bon, c'est une autre histoire. Encore, allez, super. Encore, il faut... Vas-y, pousse la première, voilà, enjambe. Là. Non, enjambe. Elle a... Parce qu'elle voilà, a dit, elle a trouvé. Voilà, là, c'est bon, tu peux te lever, là. Non, non. Non, non. Voilà, enjambe, enjambe. Allez-y, allez-y. Vous êtes presque, là. Les filles derrière, ah, bougez pas, bougez pas. Attends que l'autre derrière, voilà. Vas-y, maintenant. Stabilisez tout. Qui se lève? C'est moi. C'est toi? Vas-y, allez. Lève-toi. Bougez pas les autres, bougez pas. Voilà, aide là, tiens-la un petit peu. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. En haut, lève ta main, derrière. Derrière, à la gauche. Voilà, bien joué. Formidable. C'est quoi, c'est un vivet? Bravo. Comment ça devait faire? Bravo. Oh là là, les yeux, la concentration, ouais. Là, extraordinaire. Alors, tu tires dessus, simplement. Vas-y, tire dessus, simplement. Ah, oui, d'accord. Maintenant, tu as deux options. Soit tu nous le lis de là-bas. Comme tu veux, ou alors tu reviens. Non, d'accord, assieds-toi. Mais il faut c'est revenir bien, regarde jusqu'au pas bout. En bas. Je peux le prendre, je lirai après. Voilà, d'accord, comme tu veux, mais ça, j'ai peur que ça te gêne. Alors sinon, tu le lances là. Moi, je ne lance pas, je vais. Ouais, non, je ne lis pas. Je l'ai. Allez, venez. Excuse-moi. Superbe, hein. Vraiment, bravo à toutes les trois, vous avez été magnifiques. Allez. Belle équipe. Oh, attention, les doigts. Attends. Bien. C'est là, ouais. T'as l'air là. C'est bon, les filles, on est bien sur vous. Attendez. Ça va? C'est bon, ça ne fait qu'un dernier, ça va? Ouais.
Moi, j'aimerais le nom de celui qui a inventé une aventure pareille. Oui, c'est ça. Hein, c'est ce que je voulais demander. Comment chercher ça? Son portable. Allez, tout de suite. Et là, on fait comment? On saute. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, je sais pas. Vas-y alors. Ah, allô? On a des filles qui veulent arriver. On a juste trois jolies filles. Est-ce que je peux donner? Tiens, vas-y, donne. Voilà. Jocelyn, oui, tu, peut-être on te le laisse ouvrir. Ça va m'exploser à la tronche, c'est ça? Non, non, ça y est, c'est fini. Rapprochez-vous en même temps. Pardon. Ah, doucement, oui, doucement, doucement. Je suis encore accrochée avec toi. Voilà, doucement. Donne la main. Voilà. Ça va? Alors le mot, c'est franc. Franc. On a fil, théâtre, franc. Merci. Fil, théâtre, franc, 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 la franchise. Vas-y, vas-y, fil rouge. Théâtre, pièce de théâtre. Voilà. Mets-le là, mets ton pied là d'abord. Théâtre, mais avec France, ça n'a rien à voir. Voilà, assure-toi. Attends un petit peu. Fil, théâtre et franc. Oh, Stella, ça va. Franc. Franc. Fil, théâtre, franc, ouais, monnaie, argent. Fil. Argent, l'argent. Un fil d'argent. Un fil d'argent. L'argent. J'ai rien fait une idée. Fil théâtre franc. Fil théâtre et franc. Il n'y a pas un théâtre qui s'appelle Vatican. On attend là. C'est qu'il y en a quoi? On mange mieux au théâtre. Bon, alors tu regardes Philippe de te déséquiper. Bien sûr. Il y a encore d'autres aventures. On y va? Bravo, hein, vous avez été magnifiques toutes les trois. Superbe. Belle image. Belle image d'esprit d'équipe. On suit Passepartout. Vous continuez à vous retrouver? Bien. Alors, comment tu te sens, là? Moyen. Moyen? Très moyen, très excité et très... Tu as envie d'avoir lundi, je le sais, voilà, tu m'as dit. J'appréhende de ne pas attraper l'indice, en fait. Parfait, tout ça. On n'en parle même pas. Parce alors, il t'a dit 80 et tu ouais, y vas. C'est ça qui fait peur. Jocelyn, viens près de moi. Près de toi. C'est très important. D'accord. Soit elle saute pour l'indice, soit elle saute pour la couleur. Pour la couleur. Pour la couleur, pour la couleur. Tu es sûr de toi? Couleur. D'accord, donc vous jouez pour la couleur. Est-ce que ça veut dire que vous avez une idée du mot? Sandrine? On peut juste leur poser la question? On a une illumination. Parce que ça veut dire couleur, ça veut dire pas de mots, ça veut dire pas d'association, mais encore après, il y aura une aventure. Donc, alors, quelle idée vous avez? Coup de mille, coup de théâtre et coup de franc. Et coup franc. Voilà. Super bonne idée. Bon, on va laisser Antoine mettre... Bah, je peux continuer, c'est bon? Oui, si, pour la couleur, une chance sur trois de trouver. Après, si ils ont cette couleur... Une chance sur trois, si vous la trouvez. Une chance sur trois. Vous êtes prête? Non. Mais il faut quand même y aller. Nini, nous, on va aller en bas te réceptionner. Voilà. Hein, trace au sol. On va ouvrir grand nos bras et on va te réceptionner en bas, d'accord? Jocelyn, tu viens? On redescend vers le bas? Allez-y. Les filles, par solidarité, vous aimeriez rester? Par solidarité. Mais je vais le rater, c'est impossible ce truc. Nini? Oui. Mets bien tes bras en avant, hein? Ouais. Écoute bien tout ce qu'on va te dire. Oh là 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 là. Je vais mais profite-en. Tu l'as déjà fait? Non. Alors profite-en bien. Ah. D'accord. Ok. Je veux bien. Ouais. Concentré. Et oui, je pense qu'à ça, justement. Enfin, ouais. Impressionnant, hein, ici. C'est l'objectif. Je saute un peu. D'accord? 1,
2, 3. Allez, Lily. Ça marche pas, ça ne pas. Lily, si tu voulais des trucs à sensation, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas trop, Nini, parce que sinon tout va s'autodétruire. Si tu en profites trop longtemps, oui, d'accord. Ça va se détruire. Oui, ah oui. Donc oui. Tu auras profité de la vue, okay, merci, mais oui, pas non, du tout du saut. Arrête ton cinéma là maintenant, c'est bon. Dis donc, toi. 1, 2, 3. C'est un indice qui vaut cher parce que c'est pas un mot mais bien une couleur. Mais il y a le mot de genre. C'est extrêmement pervers, je vous l'accorde. Mais il n'empêche qu'ils ont choisi la couleur et pas le mot. Alors Nini, grâce à toi, ça va? T'es toute blanche. Ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va? Ça va aller? T'es sûre? Faut du sucre. Ça va, ça va? Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Tes impressions? J'ai envie de vomir. Alors ça, on va te le laisser. Maman, c'est bien. C'est bien. Ça va, ça va, ça va, ouais, ça va, c'est l'estomac, quoi. Tu veux un petit peu de sucre, peut-être? Non, ça va. Passepartout, il y a toujours du sucre dans ses poches pour attirer les jolies filles. Oh, la sensation, la vache. Est-ce que tu l'avais déjà fait? Non, non, maman. Est-ce que tu pensais qu'un jour tu le ferais? J'espérais. Tu le ferais ici? Que tu le ferais ici? Oui, ici, j'espérais le faire ici. Je m'espérais le faire un jour dans ma vie. Ouais. Quand on m'a dit que je faisais Fort Boyard, j'espérais qu'il y avait le son élastique. Donc t'es heureuse et de l'avoir fait. Je suis comblée, je suis comblée. Bon, alors Nini, tu as été extrêmement courageuse. Et pour te récompenser de ton brio, de ton courage, regarde une jolie femme aussi. Ah, lumineuse, qui te montre du jaune. Du jaune. Je suis pas du tout d'Antonienne, hein, donc oui. Donc du rouge. Alors vous verrez que l'association se fera avec une autre couleur que vous n'avez pas eue. Et donc, vous avez une chance sur trois, il faudra y aller coup de bol. Très bien. Ma jolie Nini, vous avez vu comme je trouve des rimes quand il s'agit de jolies femmes. Il y a encore une aventure, ce sera la dernière. On est parti, toujours une idée du mot? Ouais. Celui-là restera mystérieux. Hop là! Allez, on suit Passepartout et Passe-temps. Jean-Pierre. J'ai vu, j'ai constaté, quelle élégance, quelle classe. Quel cri, surtout dans la remontée. Tu es content? Ah, elle est très parisienne, elle est géniale. Elle est parisienne. Poussy, venez me voir. Ça fait longtemps. Je croyais qu'on m'avait oublié. Mais pas du tout, pas du tout. Je me suis laissé dire que vous étiez la doyenne. Je suis la plus jeune. Non, vous êtes la plus jeune. C'est ma cadette. C'est ma cadette. Oui. Eh bien, alors, j'ai réuni toutes les cadettes de Fort Boyard là-dedans. Elles sont un peu facétieuses, elles fabriquent des leurres. Mais au milieu, il y a l'indice. C'est tu vois où tu vas? Tu vois où tu vas? J'ai peur des araignées. Non, que non, pas ça. Non, c'est des vieilles comme mère. Ah oui, non. C'est par là-dedans. La vieille comme mère. Ça a l'air très très sympa. Hein. Alors il va falloir l'aider, je pense psychologiquement, parce que ce sont effectivement les vieilles commères. Tu passes pas aussi. Dans la trappe, dans la trappe. Dans la trappe. Non, 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 reviens. Voilà. Et les vieilles commères en question sont bien évidemment. Ah là. Oh, tout va bien, elle poussit, c'est les animaux. Alors, je vous donne un conseil. Tu ne risques rien. Ok, il y en a une là, le sur ta gauche. À gauche. Ici, écoute-moi, sur ta gauche. Merci. La deuxième araignée à gauche. Non, à ta droite. L'autre côté, gauche, à ta gauche. À sa droite, à sa droite. Elle. Merci, ma gentille. À ta droite. La deuxième araignée. Non. Celle-ci? Non. À côté. Ça? Non, en dessous. Non, à ta droite. À ta droite, à ta droite. À ta droite. Et là maintenant, voilà, les deux là, celle de gauche. Allez, courage! Au-dessus. Non, mais là, c'était. Non, non, c'est facile! Voilà, regarde les deux qui sont côte à côte. Non, 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 voilà, les deux qui sont côte à côte, celle de gauche, il y a un mot en dessous. Celle-ci, là? Donc, ouais, celle-là! Oui, ouais, celle-là!
Allez. Oh, putain. T'inquiète pas, tu risques rien. Tu risques rien du tout. On va pas faire de mal. Faut y aller. Vas-y, prends ton courage à deux mains et vas-y. Allez, poussez, allez, 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 allez. C'est super allez, gentil, allez. C'est une migale. Oui, allez, allez. C'est une migale, trop sympa. C'est bon, allez. Prends-la délicatement. Vas-y, ouais, super, 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 super. Ouais. T'as sûr? Allez, génial, génial, c'est dur. Attention, qu'elle regarde. Je veux pas lui faire du mal. Non, non, non. Où elle se trouve, parce que c'est sûr, il n'y a rien d'écrit. D'accord, faut que tu regardes. Et laisse-la faire. Voilà, regarde un mot. Regarde s'il y a un mot. Il y a peut-être rien d'écrit. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot, c'est ailleurs. Alors, laquelle? Elle n'a pas un mot, ça, non? Non, c'est celle qu'elle vient de retirer. Celle-ci, celle-ci. Non, il n'y a pas de mot. Non, là, il n'y en a pas. Exact. On ne voit rien, on ne voit pas, on ne voit pas. Alors, qu'elle regarde sinon dans le coffre? Ah, regarde dans le coffre, il y a peut-être quelque chose dans le coffre. Dans le coffre? Dans le coffre, regarde s'il y a quelque chose. Regarde dans le coffre, tout va bien, détends-toi, tout va bien. Oh, des petits scorpions sympas. Ils sont ronds, regarde comme ils sont mignons. Oui, bien sûr. Il n'est pas là, c'est le maître du fort qui connaît le temps et qui arrête au gré de son... Vas-y, 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 vas-y. Je sais pas comment je l'attrape. Ah, il y en a peut-être là, regarde là, il y en a un, celui-là. Oh, il a l'air super sympa en plus. Ouais, ouais. Donnez un petit nom, donnez un nom, vous qui avez toutes les noms. Oui, allez, on va dire, tiens, elle est Tita. C'est Tita. Tita, c'est un genre de scorpion, Tita. Vous connaissez Tita, vous? Je connais. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est qui, Tita? C'était une amie. Non. Oula. Vas-y, vas-y. C'est pas facile, mais c'est bientôt fini. Allez. Bien joué. Hey, un œil. Viens. Un œil. Coup d'œil. Bravo. Bien joué. Ouais, super. Aussi, superbe. Je demande une acclamation pour votre collègue. Et néanmoins... Bravo! Tiens, pour la peine, tu as une toile d'araignée. Ça va? Comment t'as réussi à faire si tu es trouillarde comme pas de... Voilà, comme ça. C'est terrible, hein. Non, mais je suis contente parce que je voulais savoir si j'étais capable de les toucher. Bah voilà. Au moins, non, j'aurais appris quelque chose, quoi. C'était important de réussir, ouais. Là. Oui, je voulais savoir si j'étais capable de vaincre ça. Ça va? Ouais, bah, ça va. Quel coup d'émotion. Alors, c'était la dernière aventure. On va se retrouver maintenant devant la salle du trésor, ce qui veut dire que vous allez avoir un petit peu de temps, mais très peu, pour vous décider sur le mot. Est-ce que vous êtes sûr du mot? Beaucoup. Ça veut dire pas de sacrifice? Non, pas de sacrifice, capitaine? Non. Tu es fier de tes filles? À mort. C'est belle, ça. J'aurais été incapable de faire ça. Passe-partout, ouais, passe-temps, vous êtes fier des filles? Oui. Oui. Allez, on va vers la salle du trésor alors. Hop, descendez. Bravo. Elles sont vraiment extra, vraiment superbes. Sandrine, dites-moi tout. Superbe. Alors, ils ont une idée du mot, parce que là, j'oublie parfois qu'il y a Jocelyn, tellement jolie fille. Ne vous cachez pas derrière moi. Ils ont une idée du mot très précis qui est, rappelle Jocelyn. Coup. Alors, on coup. Fait vite une association avec les mots, les indices que vous avez eus. Il y a eu théâtre. Coup de théâtre. Coup de fil. Œil. Œil, coup d'œil. Franc, coup franc. Ok, donc bon. Tu distribues maintenant les comment lettres. Comment étaient mes compères sur... Ah, ça va. Vas-y, vite, vite, vite. C-O-U-P. D'accord, ça veut dire que deux. Allez, c'est parti. C'est parti, la grille va s'ouvrir. Vous avez retenu les mots? Non, C-O-U-P. C-O-U-P. Je te donne un conseil. Pas besoin de notes là, je le sais. Quand tu vois les jeunes femmes inscrites sur les lettres, tu épelles le mot pour être sûr qu'elles sont bien sur les lettres. Sur les lettres, si vous n'êtes pas posé sur les lettres, ça ne marche pas. Allez-y, 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 foncez. Non, ça ne change rien là. Le sud, c'est le premier. Ah oui, c'est après que le temps. C'est après le temps. Allez, pas oui. Tu te mets sur le côté. Sandrine a pris. Oh non, je vous en prie. Vous êtes le maître du fin. Bon, pardon, excusez-moi. Ça y est, Jean-Pierre, c'est bon. C'est bon.
Félindra, tête de tigre. Dépêchez-vous. Normalement. Mais si. Mais si. Ils sont là. Ah, tous ceux qui sont dehors. Voilà, dépêchez-vous alors. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Aidez-les, aidez-les. Putain, c'est vachement court, hein. Ah bah oui, deux minutes. Jocelyn, allez. Je bosse, je bosse. Regardez les tigres juste derrière vous. Ah. Vas-y, donne manger les mecs. Sandrine, j'ai l'impression que les filles travaillent plus que Jocelyn quand même. Ouais, moi je fais le travail des trois par un. Voilà. Et je pense que l'enfant bleu aura mérité, hein, parce que là, l'enfant bleu a mérité. Ouais. Ça donne les dernières. Les derniers, les derniers. Voilà. Bon. Allez, venez par là. Voilà. J'en ai plus. Eh bien, oui. Le mot code ce soir était le mot coup. Le premier indice qu'ils ont trouvé, fil, ils ne l'ont pas deviné, ils l'ont deviné un peu plus tard, c'est un coup de fil. Le deuxième indice, c'était théâtre. Vous connaissez tous ce qu'on appelle un coup de théâtre. Le troisième indice, franc, c'est un coup franc au football, on tire direct au but. Et le quatrième indice était œil, un coup d'œil. Vous connaissez ça, non? Voilà. Ben, ils ont été assez brillants, nos candidats, ce soir, quand même. Jean-Pierre. Sandrine. Il y a un moment important, là, dans, dites-moi, dans le jeu. Oui. Avant de vous dire ce que j'ai pensé, peut-être, de cette équipe, parce qu'il y a une seule couleur de trouver. Oui. Et vous l'avez très bien expliqué au début, l'association de deux couleurs fait la couleur du jour. Donc, le rouge peut être mélangé à deux couleurs. Et il faut choisir entre une à droite ou à gauche. Bon, ben. Plus le rouge, parce qu'il peut y avoir alors, deux fois rouge. Rouge, 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 bleu, violet, rouge, jaune, orange. Nous, on a pensé que comme l'association qu'on voulait aider s'appelait l'enfant bleu, ça avait été mélangé avec du bleu. Que bon. Donc la deuxième couleur était vous du bleu. Vous vouliez dire que nous aurions influencé Lumineuse ce matin? Je me suis dit que Lumineuse avait des connexions. Ah. Je me suis dit qu'elle était aware, comme disait Jean-Claude Van Damme. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, je pense qu'elle est. Alors bien, on va déjà voir. Vous êtes d'accord avec mesdames, vous avez de l'instinct, vous aussi. Ouais. On va voir déjà combien vous avez gagné. Ah oui. Psycho a peut-être du rouge dans la tête, non? Voilà, peut-être. Non, ou le crévier. Bon, faisons venir les boyards pour la peser. Passe-partout, passe-temps. On va déjà voir combien vous avez gagné sans la multiplication. Sans la multiplication, continue. Alors, c'est pas en euros, hein, c'est encore en francs. Regardez là-haut. 63 280. Bravo. Et c'est très très bien déjà. Déjà bien. Alors, bon. Tu es sûr de la couleur d'accord, que tu veux ça choisir? Semble logique. Oui, c'est logique. Bleu, bleu. Est-ce que... C'est logique pour vous, hein. Voilà, maintenant, vous aussi, vous n'avez pas l'air d'accord. Je crois aussi. Ça fait crédit avec le bleu de l'association. Le bleu et le rouge, ça ferait du violet. Oui, j'ai envie de dire qu'on croit aussi. Lumineuse, je peux enfin la voir de près. Vous savez qu'elle me refuse la porte tous les soirs. Bonsoir, Lumineuse. Est-ce que vous entendez mes poèmes? Non? Oui, ah, c'est bien.
Et alors la couleur. Attention, là, c'est un moment un peu. Oui. Ah non, c'était du coup. J'avais dit que peut-être. Je ris, mais je suis très triste pour l'enfant bleu. Je suis désolé, mais vous gagnez quand même. 63 280, bravo. Bravo. Bravo à vous. C'est difficile, une chance sur trois. Comme le nom l'indique, une chance sur trois. Alors moi, j'ai noté des petites choses quand même. Dites-moi tout, Sandrine. Je me suis régalée avec vous, mais vraiment. Ah oui, moi aussi. Dans mon petit carnet rouge, j'ai noté les filles du Crazy ont fait un beau travail d'équipe. Vous avez prouvé qu'on pouvait être belle et spirituelle. Et moi, je propose des trompettes pour Jojo la Houppette, qui n'a pas fait une seule boulette. Bravo, vous avez été formidable. Superbe équipe, très belle émission. Très sympathique, un coup de formidable. Eh bien, moi, j'allais dire la même chose, mais puisque vous l'avez déjà dit, je ne le redirai pas. Voilà. Mais autrement. Bah, comment voulez-vous que je fasse? Je suis sous le charme. Alors, peut-être le nom de l'association, Jocelyn. L'enfant bleu, voilà. Qui aide l'enfance maltraitée. Voilà, c'est pour eux qu'on s'est battu. Jolie cagnotte, 63 280. J'espère que ça va les aider, on espère. Moi, je vous ai entendu crier tout à l'heure, mesdemoiselles, est-ce que je peux en faire un joli cri de jeune femme Un joli cri de quoi? Je sais pas, de crazy. De crazy, hein. Je sais pas, C-R-A-Z-I. Allez-y. Il y a le truc aussi que vous faites avec... Allez. Termine en fanfare. J'ai un peu peur. Pourquoi tu as peur? Allez-y. C-R-A-Z-Y. Crazy. Allez, regarde. Jocelyn, les boyards, pour les enfants, pour la... Mademoiselle. Tu peux prendre, s'il te plaît. Merci, on dit au revoir à tous les enfants qui nous regardent. N'oubliez pas, si vous voulez retrouver les super héros de cette émission, c'est sur le web et c'est dès maintenant. Tu les laisses ici, les boyards, ou tu les emmènes? Je sais pas, c'est moi qui dois faire ça. Alors, j'emmène les boyards. Merci. Merci, au revoir. Merci, mademoiselle. Merci pour tout. Ciao, bye bye. Un excellent comédien, cinq danseuses magnifiques, un décor somptueux et un final sous une pluie de boyards. Quel beau spectacle! Rideau! J'aurais bien demandé un petit rappel, moi. Mais oui, parfois, les jeunes filles du Crazy Horse nous ont prouvé qu'on peut être jeune, jolie, mais intelligente, courageuse, généreuse. Alors merci pour elles. Quant à Jocelyn, vous le retrouverez dans une série Nanar très bientôt. Moi, je vous dis à samedi prochain avec beaucoup de plaisir. Maintenant, joue à notre jeu France 2 avec Frosties de Kellogg's. Pour participer, réponds à la question suivante en appelant vite le 08 36 66 10 10. Tu gagneras peut-être la console de jeu de tes rêves. Alors, bonne chance sur France 2 avec Frosties de Kellogg's.